Alors, nous allons dépaporiser avec nos invités Sairo et Yandé. Hein? Moi, je parle dedans. Moi, je parle pas dans la fête des élus. On a dit qu'on va dépaporiser ensemble. Les élus, Sairo. Il dit papa dans la fête des élus. Élus, comment? Alors, cette vidéo, cette vidéo et la déclaration de Diana Bouly font le tour des réseaux sociaux et sont l'objet de diverses interprétations. Alors. Cette vidéo de Diana Bouly fait quoi? T'as entendu quoi? Ozone n'est pas bonne. Non, t'as entendu quoi? Cette vidéo de Diana Bouly font le tour. Il dit non, cette vidéo de Diana et les images. Et les images, ok, ok. Font le tour des réseaux sociaux. D'accord, tu peux continuer. Donc, et sont selon la constitution, monsieur le président, vous pouvez continuer. Ozone, tu es pas bon. La prochaine fois que vous allez m'arrêter, monsieur le Premier ministre, c'est même pas les autorités qui ont venu, c'est chaussures. Alors, de qui elle parle dans la vidéo, Karine? Bon, elle ne dit pas de nom hein, oui. Depuis là. Selon toi. Selon moi, elle parle de KS Bloom, c'est clair. Moi, je vois. Pourquoi elle parle de KS Bloom? Moi, je vois Boniface. Boniface. Moi, je vois Nestor David. Ça peut être Excel aussi, mais c'est un peu KS Bloom. Yodé. La mère des gays. Parce qu'elle a dit, c'est les gens qui disent. Elle parle des gens qui disent. Moi, je vois KS Bloom. Moi, je vois KS Bloom parce qu'on a vu beaucoup de choses qui sont... Le pasteur Guy. Pasteur Guy. Mais madame la gouverneure, ouais. Apparemment, vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Mais oui, pas. Parce que tu sais que je suis une bonne fouineuse. D'accord. Je cherche parce que je suis la queen of... Ouais, mais, ouais. Mais pourquoi tout le monde s'acharne sur KS Bloom? Pourtant, la jeune fille n'a pas cité son nom. Karina. On appelle ça allusion, chère. Mais elle n'a pas dit nom de quelqu'un. J'ai dit... Oui. La fille là, oui. quand la vidéo a commencé, on voit qu'elle avait KS Bloom en train de faire TikTok. Oui. C'est quoi le rapport en fait? Donc quand elle fait TikTok à quelqu'un. Calme-toi. Elle fait TikTok dans sa maison. Parce qu'on voit que c'est chez KS Bloom. Moi, je vois les TikTok de KS Bloom, c'est dans sa maison. C'est dans la maison de KS Bloom. C'est dans la maison de KS Bloom. Je vois ça dans la vidéo. Je vois dans la vidéo, je connais le plan. Tu es déjà arrivé dans la maison de KS Bloom. J'ai dit, c'est là-bas. Envoie un peu la TikTok. Tu es arrivé là-bas. Donc, toi, okay. Tu supposes. Moi, je suppose pas. Il dit c'est ça. C'est ça. Oui, selon mes informations, parce qu'elle ne dit pas son nom, mais quand moi, je demande à les gens, tout. Et puis, les images les aussi. Images, qui... et puis, il fait les rapprochements. Les rapprochements, d'accord. Mais maintenant, la jeune fille, parce que là, Goumen fait conjuguer, hein. Non, c'est qu'elle envoie, c'est les paroles fortes. Elle est philosophe, hein. Elle dit que. Je fais sortir la roue. C'est qu'elle a vraiment mal. Alors, elle a dit qu'elle quitte les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le Goumen qui l'a fait rebousser chez moi, Karina? Si, c'est le Goumen 2.0. Parce que la fille même a dit, au Cameroun, on a dit le Ndem. Ça veut dire, c'est que nous, on dit Goumen ici. Elle, ça n'a pas ça là-bas le Ndem. Elle a dit qu'elle était en situation de Ndem, mais ça va, elle commence à grossir. Elle reconnaît qu'elle a un Goumen. Ça fait match nul parce que de l'autre côté, ils nous ont fait fort. Donc quand vous à manger la Côte d'Ivoire. Madame la gouverneure, c'est quand même assez fort. Mais sérieux. Mais ça fait un partout quand même. Il porte à croire que KS Bloom a mangé du fruit défendu. Tout à fait. Moi, je ne crois pas que ce soit KS Bloom. Moi, je ne crois pas que ce soit KS Bloom. Honnêtement. Ouais. D'accord. Je ne crois pas. Ouais. Parce que KS Bloom est venu ici sur ce plateau. Oui. Il nous a dit qu'il est chaste. Oui. Il est venu ici sur ce plateau. Il nous a dit qu'il n'est pas dans les mouvements de Maïmouna. Oui. OK. Mais ça peut être fait ce qu'il dit, mais ne fait pas ce qu'il fait. KS Bloom. On voit que la fille dit. De non. Très concentré. Oui. Les paroles qui sortent de sa bouche, amen. Sont des paroles fraîches. Inspirées oui. De la Bible. Oui. Alors, oui. C'est pas KS Bloom. Karina. Je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'ils ne se connaissent pas, Ozone. Ils se connaissent. Ils ont des vidéos ensemble, ils ont des trucs, des photos, tout et tout. Hein? Et puis on parle d'un jeune, un religieux qui est tombé amoureux d'une mondaine. Et puis elle dit qu'il dit des choses que lui-même il ne fait pas. Oui. Mais Boniface est jeune aussi. Vous laissez. Ah, ok. Nestor David est jeune. Tu l'as vu un Nestor David. Non, il n'y a pas de problème. Tu l'as vu un Boniface. Non, mais parce que là, le fait de jouer ensemble, ça ne veut pas dire que. Bah oui. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Donc, c'est comment? Mais Wunkunku là, on dit que c'est lui. D'accord. Ils m'ont dit ça. Ils cherchent, ils fouillent. C'est quel ceci? Un jour. Le mariage le plus attendu de l'histoire de l'humanité. Aïe. Le mariage de KS Bloom. Parce que regarde. Excuse-moi, président. Oui. La bague. Oui. Hein?
Elle a fait la bague de Kaesboum. Elle a la bague aussi. Et une autre, elle a la bague, les trois ont eu envie d'aller acheter. Attends, ils se connaissent. Mais quand ils disent que bague, on peut tout marcher. C'est pas lui qui fabrique la bague. Donc les trois, en même temps, dans les trois ont eu envie d'acheter la même bague. Non, mais monsieur le Premier ministre, par coïncidence. Quand on a parlé, c'est vos prêcheurs, gouvernants. Quand on a parlé de la bague ici, Kaesboum m'a dit que la bague, là, tout le monde peut acheter ça. Mais il n'est pas bijoutier. Il n'est pas bijoutier. Il n'est pas bijoutier. Le problème, c'est qu'il a une liaison avec les deux. Quand je dis une liaison quelconque, c'est il y a une chanteuse qui s'appelle Indira. Oui. Elle a chanté avec lui. Oui. Et ça se trouve, elle a la même bague que lui. Oui. L'autre aussi, là, elle est proche de lui. Elle a la même bague. Bon, non, peut-être c'est le truc que j'arrive. Non, j'arrive. Non, il y a quelque chose. La queen. Cyril. Il y a quelque chose. Il a dit ici que tout le monde peut se procurer la bague. Quand il a fini l'émission, c'est le soir en question que la jeune dame a fait sa vidéo. Merci. Donc, il y a matière à se poser la question. Amen. Parce que l'esprit est en train de me dire qu'il y a anguille sur roche. Amen. Amen. Oh, je sens que tu n'es pas satisfait. Je sens que tu n'es pas satisfait. Et puis, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est là qu'elle sort. Oui. C'est comme si on veut. Elle ne veut pas que le gars la rabaisse. Elle a l'impression d'être rabaissée. Mais pourtant, il y a un truc qu'elle ne dit pas. Un truc qui sait qu'elle sait qu'elle ne dit pas. Moi, je pense que le CKS en plaît. KS, non, on a. Aujourd'hui, là, il a fait une très belle année. Oui. Il stream. Il représente bien la musique. Non, l'année en question. Elle est belle. Ce qu'on veut dire, c'est que dans cette émission. C'est les affirages là-dessus. Non, Siro. Mais est-ce que la fille ne fait pas nous, ça en, non, fait non, nous, en Papouasie... Oui, vous prenez tout le monde. Non, on ne prend pas tout le monde. On fait ce qu'on appelle la dépapourisation. C'est notre culture principale. Okay. Là, les papouas nous regardent, ils ont besoin de comprendre. C'est-à-dire que là où il y a du flou, nous, on apporte la lumière. Amen. On n'a pas dit que Kaesboum a fait quoi que ce soit. Nous, on essaie de comprendre. Amen. C'est-à-dire que, oh, je sens la grâce venir vers toi. Amen. Oh, Siro. Reçois.